Salut les gens, c'est Narron12. Aujourd'hui, je suis en compagnie de DarkMecha. DarkMecha, hello les gens. Alors, pourquoi cette vidéo? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est tout simplement qu'avec Michael, on a réussi à se dégoter Resident Evil et on est là pour vous le présenter. En quelque sorte, en avant-première, on peut se permettre de le dire, franchement. Bah oui, quelques jours avant la sortie officielle. Voilà, oui. Pour nous, c'est 5 jours à l'avance. Pour vous, ce sera peut-être un peu moins le temps que je fasse le rendu vidéo et tout. En tout cas, le but, c'est on va essayer de faire un let's play. Franchement, tous mes let's play jusqu'à maintenant, je les ai un peu chiés, hein, faut avouer. Ouais, effectivement. Mais là, j'espère le tenir. Michael, je te laisse rejoindre, franchement. Oui. On peut lancer la partie. Alors, on va commencer tout simplement avec le premier chapitre. On joue en normal pour préciser les intéressés. On va faire le chapitre de Léon. Léon, personnage emblématique de Resident Evil. Hein, qu'on a vu, franchement, c'est le personnage de Resident Evil. Il a été là dans les précédents. C'est sûr que dans le 5, on le voit pas. Dans le 5, c'est Chris. Ah, alors là, franchement, je vais me taire quelques instants tant que vous puissiez apprécier la cinématique. Hein. En tout cas, belle soirée en prévision, perso je dis, voilà. Ça va être court, mais on va y intense, arriver. Intense, voilà. On fait tout d'une traite, on est des fous. C'est tout bientôt, 2013. On a survécu à 2012. Ah, une fois qu'on a fait d'année. Travailler avec le reste du monde, c'est en partie un incident. Beaucoup de personnes veulent le exploiter, réfugier l'intelligence. Je pourrais créer plus de problèmes que ça n'en résoudra. C'est pour avoir une chance. Votre amitié a toujours compté. Restez où vous êtes. Monsieur le Président. Dear President. Oui, essayez de faire un zombie. Bonne idée. Ça doit être le président, perso, moi je la battrais quand même. Hein. Après, c'est un zombie, ça peut être le pape. Bon, d'un côté, si je me trompe pas, c'est le père d'Elena, tu vois. Réticence. Perso, Java, je réfléchis pas. Hein. C'est un zombie, tu t'en fous qui c'est. C'est le moment de réagir. Pas beau. Alors, le Let's Play se présentera d'une manière tout simple. On va faire chapitre par chapitre, je pense, Dark. On est d'accord? Oui, on va pas se faire chier. Hein. S'il y a des moments où vous voyez qu'on court un peu partout, c'est que franchement on est stress pour faire ce let's play, on va être vraiment dans les premiers à le sortir. Tout est ma faute. De quoi est-ce que vous parlez? Pas de larmes, elle pleure. La cathédrale de Tolox. Je vous expliquerai là-bas, Jean Kennedy. Kennedy? Ouais. Jean Kennedy. Ah non, ça, c'est quelqu'un d'autre. Ça c'est l'autre histoire. Hello, Colette. Ah, tu es le téléphone du futur, mon gars, attends. L'écran. Je rejoins les services secrets l'an dernier. Je suis vraiment heureuse de voir que vous allez bien tous les deux. Bon, trêve de présentation. Facile, t'es dans un bureau, toi. D'où on est sur le terrain, écoute. Gab, ça va? T'as l'abri? J'espère qu'il n'y a pas d'intrus. Je viens de tuer le président. Comment? Il avait déjà été infecté à notre arrivée. Léon a fait ce qu'il fallait. Pour pas dire, il a tué mon père. C'est bien, Beaton, c'est cool. C'est bon, hein, il faut pas lui en vouloir. Hey, c'est dans la vidéoconférence, c'est FaceTime. Je transmets l'info. Skype. Ils ont Skype, t'as vu, ils ont Skype. Autour du campus. Et il on est dans un campus, qu'est-ce qu'on fait dans un campus, tu m'expliques? Ah. Normal, on est en campus partout. Kennedy, c'est toi qui as la piste, Kennedy, c'est pas ce qui se passe. Ouais. Soubi, va. Entendu. Je vais chercher le chemin le plus sûr. Je vous recontacte. Alors les gens, j'espère que vous serez vraiment indulgents. C'est quand même le premier let's play en duo qu'on se fait. Je pense que vous allez voir à peu près toute la team sur ce jeu, en tout cas. On a déjà notre ami Nagui qui l'a aussi en avance. Je sais pas comment il l'a décoté en France. Moi, je connais pas le système français. J'ai mes fournisseurs, ça s'arrête là, je suis en Suisse. Hein. Chez le même fournisseur, je tiens. Je sais que Delay l'aura pas tout de suite parce qu'il veut pas l'acheter tout de suite. Gumball, au cas où, pour les intimes, pour les abonnés. Gumball. Et Flo, Chronos, nouveau membre qu'on vous présentera, un de ces quatre, l'aura à sa sortie. Hey, il est une sale gueule, le président, quand même. Hein. Bah attends, tu feras la gueule que tu tirais quand t'aurais une balle dans la tête, mon gars. Je pense que tu tireras pas. Madame. Et avant, il la tutoie, puis maintenant il dit madame. Non, mais faut pas chercher, du coup. Des péchés à confesser. Allons confesser, mon ami. Pour
Bon, tu bouges ou bien tu fais quoi? Putain, ça c'est très beau gars. Et vas-y, ça prend le temps de s'appuyer. On fera tout une fois qu'on sera à la cathédrale. Avance. Je peux pas. Passage. Putain, on va voir ce on peut même pas courir quoi. Attends. On peut ouvrir toutes les portes. Ou vraiment fouillot, faisant les gros ports. Ici aussi. C'est plus grand. Attends, pas enfoncer la porte, non. Non, mais attends, moi j'ai. Oh. Et attendez, je vais quand même montrer un truc que j'ai remarqué avec la démo. Mais regarde bien. Ah merde. Ah là, je peux pas. Mais plus tard, vous avez remarqué qu'on peut s'encoubler sur les cadavres. Non, mais c'est seulement que tu cours, je crois. Ah ouais, c'est sûr que la vitesse où il va. Ma mère, là, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'a pas de mune. C'est ça la Maison Blanche? Parce que franchement. Ouf. Ah, petite horloge glauque. Petite horloge à la con, superbe canapé. Alors, vous faites on peut pas courir, c'est ça qui est bien. J'ai besoin de toi pour ouvrir une porte, attends. Ah, je peux courir. Ah, c'est la seule occasion où tu peux courir. Fouille. T'as fouillé? Non, tu veux un canapé? On s'en fout du canapé. Viens maintenant. Ils ont pu faire la poussière, merde. Ça fait combien de temps qu'ils sont dans cet état, les meubles? Vise la tête. Oh. Ça marche bien. Viser la tête, moi perso, Resident Evil, j'ai des mauvais souvenirs dans le sac. Non, moi je tire pas dans la tête. Non. Moi je vois encore raccord, c'est tout. Ah, ils ont pas fini de manger apparemment. À table, moi je dis. Il y a allez, petite assiette. Ils seraient tous là en train de dîner. Faut même pas sauter quoi. Oui, bon, c'est bon, pas besoin de regretter les choses. Oh, ils ont géré, regarde. On peut shooter les ballons. Oui, bah, peut-être moi je prends un ballon avec moi, on sait jamais. Hein. Une petite fête d'anniversaire, allez. À croire que ça recommence. Comme à Raccoon City. Raccoon City, Resident Evil 4, si je me trompe pas, mes amis. Tu es l'un des survivants. Ouais, je n'oublierai jamais. Alors le Let's Play démarre franchement au trop bas. On pourrait juste courir, ce serait bien. Dire adieu à ta liberté. Parce que marcher ça va, mais moi je suis plutôt du genre à foncer dans le tas, et même si y a des zombies direct. Tu veux un balai? Ah, obligé de t'appuyer. Ah, c'est elle qui s'appuie cette fois. Ça change. Chacun son tour. C'était quoi? Un survivant, c'est pas un zombie, ça courait. Ça courait, c'était un survivant. Oh, on peut courir, on peut courir. Et vérifie qu'il n'y a rien à prendre, je crois quand même. Il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à prendre. Je suis sûr que je vais m'encoubler. Oh putain, vas-y, c'est le labyrinthe. On peut pas passer par-dessus les chaises. Je peux pas déplacer les tables. Non, franchement, c'est cool. Oh là là, j'ai trouvé un raccourci. Attention, je suis avant toi. Écoute, moi, il y a des tables que je peux pas déplacer. Puis je suis un handicapé. Puis j'entends des bruits chelous derrière moi. J'ai pas le temps. Bon, cours, avance. Allez. Hein. Comment t'as fait pour m'attraper? Ah, vas-y, c'est fermé. On passe par les cuisines, on peut même pas ouvrir les portes. Pff, normal. On fait tourner une poubelle, et vas-y. Lui, il a trop fumé. Mais crève. J'entends un bruit chelou, moi je me casse. Allez, appuie sur rond un peu. Mais non, depuis quand il faut être deux pour ouvrir une porte? Bah, ça m'énerve. Mais y'a quoi qui l'ait ouvert? Chie dessus. Non, je le tue là, il est en train de se transformer, moi perso, je réfléchis. Les gars, il est en train de se transformer, c'est mauvais. Vous savez bien. Ambiance dark. C'est mieux, éteindre la lumière. Alors les gens, on précise qu'on joue dans le noir. Ah. On joue dans le noir, ouais. Qui? Mais de quoi tu parles? Pas faire des phrases complètes, qu'on comprenne. Non, lâchez-moi. C'est trop dangereux. Qu'il chie dessus, ce allez, on lui fait son fric, allez. Que... Ma fille, elle est toute seule. Si on n'agit pas vite, c'est bon. Y'a ta gueule. On a marre de t'entendre. Elle est envieuse, vous la reverrez jamais. Bah voilà. Comprenez. Un mec qui pense comme moi. Mais et direct, points, hein. Direct, voilà. Il se calme. Bon, il arrête de faire jouer avec le téléphone, là. iPhone, en plus. iPhone 4, hein. iPhone 5, là. Ah ouais, ou le 5, j'allais en 2013. On n'a pas le temps. On va le prendre. Putain, mais je suis pas un babysitter, quoi. Bon, vas-y, pousse ton... Mais cours pas! Ça y est, on peut pas courir. Mais cours pas! Mais. Ah, on peut maintenant, on peut. Laisse-moi passer. Moi devant. Tu seras en sécurité si je passe devant, écoute. Putain, ça devient chelou là, franchement. Maintenant, on fait tout le chemin, mais à l'envers, ouais. Il fuit. Et pourquoi il court, puis pas moi? Ouais, c'est que t'es trop loin, écoute. Mec, il y a un sale rat là. Putain, ça grouille de merde. Dans les cuisines en plus, quoi. Yeah, c'est dégueu. Vive l'hygiène, moi je vous dis. Ça me donne envie de bouffer des canapés là, tu vois. Ça y est, il n'y a plus de lumière. Bien. Ok, là ça pète, mec.
T'es pas obligé de faire. Il s'est rien passé dedans. Hein. Y a rien. Hein. Y a pas une bombe. Hein. C'est moi, j'ai une petite tombe frontale à la con. Ah ouais. Oui, on a tous une petite tombe frontale à la con. Non, lui il l'a dans la main, tu vois. Lui il l'a dans la main. Lui, je lui donne 5 minutes de survie avec nous. Le gars. Oh, puis il crève. Franchement, si je le vois faire choper, je la laisse mourir. Allez. Pourquoi je peux pas courir là? Parce que toi, t'as pas le privilège de courir. Ça y est, c'est moi qui peux plus courir maintenant. En fait, c'est chacun son tour, tu vois. On peut pas tous courir en même temps. Tu vois, c'est l'un après l'autre. Mais c'est quoi ce tremblant, moi? Youpi, on peut plus passer. Oh, c'est bon, on va faire. Oh, viens ici. Chez toi, c'est plus clair que chez moi. Ah, tu pourrais. D'accord. Restez par là. Tu restes derrière nous, de préférence, s'il te plaît. Non, sans déconner. Liz. Je peux même pas enfoncer la porte, c'est pas drôle. Non, c'est que moi qui peux ouvrir les portes. Écoute, t'es une femme. Allez. Je ne suis pas macho, je précise, hein, faut pas le prendre mal. Non. Mais la preuve, regardez. Gars, moi j'ai la clé. Ah bah non, tu sais pas. C'est sous ta porte qu'on va aller, mon ami. On va pas monter pour rien, quoi. Ouais, mais papa là, il va nous suivre, papa, d'accord? Parce qu'il y en a marre là. Les gars, on va pas venir courir ton cul, maintenant tu bouges. Je me demande dans combien de temps c'est la dame. Oh, premier secours. Wouhou. On l'a laissé tout seul en bas, en fait. Oui, c'est intelligent. Oui, c'est pas un peu dangereux, ça. Je pense que c'est lui qui ouvre la porte. Oui, c'est lui qui ouvre la porte. Il peut pas nous attendre, non. Surtout pas. Il y a rien à piquer. Hé, la première déclaration. Putain, c'est du blindé. Et merde. T'as vu, moi j'ai un laser. Recule. Il est en train de se transformer. Recule. Vous allez bien. Il est en train de se transformer. Ça ira mieux quand j'aurai trouvé. Ouais, c'est ça. Allez, mytho. Avance. Je l'ai appelé. Eh, hey, tu veux la bouffer, c'est ça? Pédophile. Et t'as vu que chez toi c'était plus clair que chez moi? Écoute, c'est peut-être un meilleur écran, c'est toi. Ouais, je peux régler mes paramètres. Non, on n'a pas le temps là. On n'a pas le temps. On est pressé comme on est. D'accord, il prend cette porte. Cool pour lui. J'espère que t'as été voir l'autre côté s'il y a des choses. Hein. Non, pas le temps, hein, je m'excuse. C'est l'ascenseur. Mais pourquoi on voulait prendre l'ascenseur? Mais je travaille ici. J'ai les clés. Ah non, sans déconner, tu travailles ici. Tiens, je pensais que t'étais de passage comme ça. Simple touriste. Bon, écoute, j'allais activer l'électricité d'après ce que j'ai compris. Non, me suis pas, s'il te plaît. Sérieux. Le mec, il doit entendre des voix. Moi, j'ai rien entendu, mais lui, il l'entend. Oh, il est fort. Oh, le monstre. Le sang, là, c'est pas rassurant. Mais bon, c'est continuons. Normal. Allez, exit. Fais-toi bouffer bientôt. Oh là là, le premier chapitre, c'est assez la mort quand même alors. C'est des éclairs, arrêtez de paniquer quoi. Mais c'est peut-être des shit dessus, hein. Tu sais pas, un éclair. Mais c'est quoi cette musique? Il y a qui joue du piano alors qu'il y a des zombies? Bah, ça peut être sa fille encore, hein. Ouais, bah, c'est plus sa fille, à mon avis. Hein. Il y a du sang sur la porte, n'ouvre pas. Ça, c'est pas la... ça doit pas être la main de sa fille. Laisse-moi ouvrir, s'il te plaît. Viens avec moi, Mickaël. J'ai besoin de toi. Moi je touche la porte, mais c'est toi qui l'ouvre. Ok. Et t'as vu, moi j'ai un laser. Et il y a 2 secondes, ça jouait du piano. Je précise. Putain, j'allais l'allumer. Tu peux pas. Elle est infectée. Là, je suis un peu sur elle, écoute. Elle va se faire bouffer par sa propre fille parce qu'elle est infectée. Non, mais je dis que les deux, on va les crever, moi je te dis. Tu vois mon laser? Que je rigole. Ils sont déjà partis. Non. Ils nous attendent à la maison. C'est qui ça? Moi j'ai un laser. Regardez chez le cul. Échappez-vous du campus. Y a pas un truc à choper quand même? Bah, au pire. Petite sono, hein. Je peux jouer du piano? Non, je peux pas. Je peux casser une plante? Non, même pas. Bon. Bon, beau fessier, mais elle peut se dépêcher la petite dame là? Par la porte! Parce que peut-être la maman elle est morte? Mais moi je vais pas mourir comme ta mère, écoute. J'espère qu'il fonctionne. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a à marcher comme ça? Mais. Elle a rien à la patte en plus, je vois rien de visible. Douleur musculaire, c'est ça, hein? Regarde comme elle traîne la patte. C'est bon, c'est un zombie bientôt. Non! Allez, viens là! Non! Kick! Ça fait pas avancer plus vite. Kick! Vas-y, avance! Kick, vas-y, avance! Putain, je t'ai dit. On se repousse pas! Allez, ça va dégager le chemin comme d'habitude. Je pense que c'est toi qui vas le faire. Ah non, écoute, on est deux. Non, nous on tient, eux ils passent.
Okay. Heureusement qu'on est là, ouais. Fait écoute, toujours là pour faire plaisir. Allez, bonne journée, hein. Puis pour boire, il est où? Vas-y, fais mon fric là. Est-ce que. Ouais, je prends l'ascenseur, écoutez, ciao. Allez, checkpoint, vas-y, boum. Checkpoint, punaise, on précise. Ça là, ça devient chelou, l'ascenseur qui se démarre tout seul. Prenez-le pas mal, hein, mais moi je manque pas dedans. Elle se transforme. Je veux gagner. Vise. Elle se transforme. Tout ira bien, allez-y. Tu vas t'en sortir. Elle est infectée. Elle va nous sortir à faire. Ah, faut tuer. Faut tuer là. T'as vu ses yeux? Faut tuer. T'as vu les marques rouges? Faut tuer. Ah, on dirait qu'il y a de la merde comme maquillage. On va se faire bouffer. C'est quoi qui commence à pourrir? Je me demande comment ça se fait pour se transformer. Mais on a le droit. C'est bon, dans deux jours, ce sera en même en mode vivant. Version zombie, quoi. Ah, on n'a pas une lampe frontale, on a une lampe oreillette. Il est infecté, lui aussi. Youpi. On tire dans le noir, vas-y. Ah, tu entends ce bruit? Ah, il est gerbé dessus, mon gars, c'est peut-être immonde. Ah, oh, j'ai marché dedans. Regarde par terre. Il lui a bouffé, il l'a bouffé. Non, elle l'a bouffé. Au secours, pourquoi elle saute sur moi? Ça se transforme comme ça, il veut pas nous montrer à quel point ça se transforme. Faut que je t'aide? Ouais. Vas-y, tire! J'ai même pas besoin de tirer, quoi, ça fait tout seul. Bon. Et puis le mec? Il est où le mec? Il est par terre, l'autre. Non, il est juste derrière. Et on avait dit qu'elle allait se transformer, hein. C'est eux ou nous. Et eux, ils hésitent pas. Bah, tu crois que moi je vais hésiter, mon ami? Il y a encore l'autre qui est par terre. Va se relever bientôt. Je peux prendre mon flingue? Ça ne dérange personne? Et un autre, t'as juste le droit de regarder. Tu crois? Il y a deux mecs par terre, mais... Sors ton arme, direct. Ta gueule! Vas-y, fracasse, vas-y. Corps à corps. Je suis sorti, je me fais. On rentre. Non, on rentre pas. Si, on rentre. Ça c'est discret, ça. Ils aiment les. Moi je suis nouveau dedans, hein. Ah merde, on peut pas rentrer. Corps à corps. J'ai plus de balles. Corps à corps. Allez. Vas-y, je me suis recoulé dans un cadavre, je sais même pas pourquoi. Y'a des mutes. Au secours. Ah mec, t'es vraiment nul à chier, quoi. Mais mec, là le flic il me casse un peu les buts, hein, je m'excuse. Ah oui, les gens, je voulais vous le montrer, et je vais vous le montrer. Je m'en coupe dans les cadavres, alléluia quoi. Eh, hein. On va appuyer sur le croix, les gars, attendez. Bon, merci de me laisser passer. Voilà. Écoute, moi j'avance, hein, je... Bon, il est quoi? C'est notre chance de nous tirer. Vas-y, ah, c'est notre chance de sortir, ça. Oh, d'accord. Je suis bien d'accord. Prends la voiture. Non. Pourquoi ils prennent pas la voiture? Ils sont trop cons. On n'a pas les clés. Yeah, mais elle est déjà allumée. Bah, tiens, il y a un truc où il faut serrer la main. Je viens de serrer la main, vas-y, j'appuie sur ma porte. Ouais. Bon, on a des vidéos toutes les 10 secondes, c'est cool, c'est-à-dire 15 heures de vidéo minimum dans le jeu. Minimum. Help? Non, c'est des zombies. Non, mais moi j'ai dit crever quoi, s'il te plaît. Il y a un truc derrière toi. Est-ce qu'on leur dit ou on leur dit pas? Non, on leur dit pas. Il y a pas de micro de toute façon. Ah, il y en a plus. Mais ils les entendent pas arriver? Ils entendent pas. Oh, c'est beau. Puis les mecs ils voient pas. Allons-y. Léon, c'est trop tard. Ah bah merci, il y en a une qui est censée. Ah, il y en a une qui réfléchit un peu plus que le bout de son nez. Bah tiens. Ils sont morts, c'est fini. Ils sont morts, regarde, ils sont en train de se faire bouffer. Hein, c'est fini. On arrivera, on va être plus dans la merde. T'as raison. Eh, il a réfléchi, ce gars. Le temps de réflexion, hein. Faut partir d'ici. Lucas,
Bravo. Bonne idée. Belle déduction. Franchement, bonne idée. Moi, j'aurais pas pensé mieux, quoi. Si, j'aurais dû les aider quand même. Les gars, crève. Non, mais en fait, je crois que j'aurais déjà fait une crise cardiaque avant, perso. Ce serait déjà chier au premier coup d'éclair. Hein. On peut courir, ouais, merci. Vous êtes gentil. Yeah, ça, c'est cool. Échappez-vous du campus, on l'aurait pas deviné, quoi. Ben, tiens. Je crois que le premier chapitre, c'est ça. Échappez-vous du campus, ou essayez plutôt. Ça va, on peut avancer rapide, c'est cool. Alors, tous ceux qui l'ont respiré sont infectés. Ouais, bah nous, on l'a pas respiré, c'est chelou quand même, parce qu'on est dans la zone, hein. Non, on n'a pas de masque, mais... On fait quand pour ouvrir rapidement les portes? J'appuie deux fois, je crois. J'ai essayé, ça a pas fonctionné, il faut venir de l'autre côté. Hein. C'est comme... Ça, c'est le jeu de la... c'est dans... comme dans la démo, regarde. Oups. C'est discret, ça. Coucou. Désolé de vous déranger. Ah mais te dérange pas. Les gars, on est juste là pour... Au secours. Je me suis fait bouffer. Mais j'allais où avec des kicks pareils? C'est nul à chier, ça. Mais j'ai jamais réussi à tuer quelqu'un avec des coups de pied pareils. C'est bon, on a une chance, allez, hop. Il y a un truc qui traîne par terre au cas où, mais... J'ai pris tout ce qui traîne. Ah, dans le cul, oh, ça va faire du bien. Ah, prends. Une petite grenade incendiaire. Fais-toi plaisir, écoute. Moi, je t'attends déjà dans la nouvelle zone. On prend tout. Tout ce qu'on peut. Wow! Il y a un truc par terre! Cours rapide! Couché, j'ai dit. Non, mais sérieux, tu te crois où là? Alors, pour ceux que ça intéresse, en fait, la partie, la c'est démo. Bien, ils sont couchés par terre, mais dès que tu passes dessus, ils se relèvent. La démo que vous avez pu essayer sur le PSN ou sur l'Xbox Live, c'est tout simplement la démo qui était présentée durant la Gamescom. Il y a de l'herbe. Je l'ai pris, l'herbe. Que j'ai pu tester aussi vivement. C'était bien sympathique. Et alors là, on est complètement dans la démo pour l'instant. C'est du déjà vu, en tout cas pour moi et la plupart. Ah oui, bah, il bouge pas, c'est vrai. Hop, hop, hop. Ah, on saute par-dessus hein, quand on est intelligent. Et voilà, on est monté pour redescendre. Putain, c'est qu'il reste des survivants. Mais c'est quoi ce campus? Même mon école, il y a des sorties avant, quoi. Oui, bah oui, tu t'y attendais pas, hein. Bien sûr, sauf que moi je voulais pas écraser, tu vois. Je crois qu'il y a un autre par terre parce que je sais pas rien. Je l'ai tué, avec la peur. Je prends les munitions, t'en fais pas. J'ai pris. Il y en avait d'autres. Ah ouais, moi j'en ai pris, t'inquiète pas, je suis à 37 balles, t'en as combien toi? Viens ici, il y en a d'autres encore d'ennemis là. Allez! Salut à tous, ici Elena, en direct du campus, entre compagnie, représentante du campus. Salut toi. Allez, hein. Et voilà, j'ai plus d'énergie, ça c'est cool. Si vous regardez en dessous de la barre de vie et puis en dessus des munitions, il y a une petite barre qui est actuellement rouge, c'est la barre d'énergie. Dès que j'arrive à zéro, je ne peux plus aller au corps à corps. Oh, t'as pas vu le joli petit coup de catch que je lui ai mis. Écoute, je peux te montrer aussi des trucs pas mal. Ah la salope, allez viens. Ah voilà, je suis fatigué, je ne peux plus rien faire. Ah oui, je peux juste peut-être filer un petit coup de pied, repousse-pied là. Je n'ai presque plus de... Elena. Attends. Mais non, mais on fera ça après, tu sais, on a le temps, franchement. Je m'excuse. Il est tranquille. Il y a une Alors fête. Là, on va tout de suite vous montrer comment tuer avec une bouteille en fait. Regarde, on va commencer direct, je sais qu'il y en a un. Tu me le laisses s'il te plaît. Non, moi je veux. Regarde, on tue avec ta bouteille. D'accord. Et ça coule par la bouteille. Y'a rien à prendre, y'en a rien à prendre, y'a rien à prendre. C'est vraiment aléatoire, franchement, ce qui tue. Tu sais, t'as d'autres ennemis en chemin, hein. T'es pas obligé de courir directement au point. Ok, bon. D'accord. Putain, j'ai jamais le temps. Un truc de fou. Eh vas-y, bordel, espèce d'alcoolique avec ta bouteille. Ce que je viens de faire, les gens, c'est juste des petites pilules pour manger, pour me soigner, je dirais, putain. Bon, il est mort. Pourquoi je peux pas me soigner? Voilà. Ah, une petite pilule, ça fait toujours du bien.
On va prendre directement toutes les pilules que j'ai, en fait. Ça sera plus vite. Et salut toi avec ton marteau. C'est des Mentos. Allez, Mentos attitude et marteau dans la gueule. Ah, ça c'est cool. Pour t'équiper, Mickaël, au cas où. Hein. Mickaël, ça. J'ai le swag. Qu'est-ce que ça me fout? J'ai le swag. Eh bien, il y a. Ah, en fait, on doit aller là-bas, ouais, t'as déjà activé. Je sais pas que t'as déjà activé. Je vais prendre de l'air. Il y a des trucs qui traînent sur les tables. Oui, tu. En fait, tout ce que je ne récupère pas, tu peux récupérer. Ah, donc en fait, toi, tu prends bien un truc, je mets une mission en compagnie, puis moi, je me tape les merdes. T'as ta vie qui est régénérée, j'espère, parce que ça va être chaud. Moi, j'ai pas envie d'aller au bout, tu fais ce que tu veux. C'est jamais sur quoi on peut tomber. Ouais, j'ai des petites gélules. Ah là, je vais même coubler sur un machin pourri. Bon, on n'a pas le choix, non? Non, non, mais, ah, c'est... mais ils font chier de on a pas le choix. Par terre. En plus, il y a des munitions. Par contre, t'aurais pu se... Voilà, t'aurais pu taper le bon code, ça aurait été sympa. Hein? Je crois que ça a réveillé certains. C'est très discret, j'apprécie la discrétion. Et... J'ai l'impression que c'est dans le Black Ops, tu as tué les zombies, tu sais. Ah, il fait bien. Il pas trop tes balles. Hein. Va plutôt au corps à corps si tu peux. Derrière toi. Et ils sont en train de me fracasser, mon ami. Moi, je recharge de l'autre côté. Pourquoi je peux pas le toucher? Hein? Il a une batte! Ouais, bah lui, la bouteille, il se la paye. Récupère tout ce que tu peux au passage, hein. C'est très important. J'ai plus d'énergie. Vas-y, c'était pour ma gueule! Ah non, pour la tienne. Viens me sauver! Merci, je vous ferai le pilule tout seul. J'ai bouffé toutes les pilules d'un coup. Derrière toi. J'y suis presque. Vas-y, récupère tout ce que tu peux. Les trucs qui traînent par terre, mon gars, c'est dégueulasse. Vas-y, récupère. J'ai juste pas fait récupérer l'herbe verte. Si, j'ai un peu récupéré, moi. Concentre-toi. Ça peut refermer la porte. Vas-y, crache les bras. Pas de bras, pas de chocolat. Exactement. Tu peux ouvrir les tiroirs à certains endroits. Il y a des trucs cachés dedans. Faut bien regarder. Hein. Là, il y en a un. Voilà, bah où? Pour moi. T'as pu prendre? Parce que moi, j'ai pu me servir aussi. Hein. Bon, peut-être que toi t'as pris. Là je sais qu'il y a, attends. Le truc qui touche par terre. Il y en a, il y a des mines là de mon côté si ça t'intéresse. Là faut tirer dedans en fait, c'est pas tu les vois. Je sais, merci. Elena. Ah, il y a des mines. Bon, en fait, on a chacun son truc en fait. Dans le sens, je peux pas te pourrir la partie en te piquant toutes tes mines et toi inversement tu peux pas aussi. Bah heureusement parce que j'en connais certains. Hmm. Ça aurait fait mal. Tu lâches la petite amie là. T'as pris la clé? Oui, j'ai pris la clé. On se casse. Tu peux le voir, il y a ton symbole, tu sais. Moi j'ai la clé, tu as aussi la clé. Logique, hein? Oui. On est des rapides. Je m'occupe de l'autre qui est là. Ok, ça fait 3 kicks que je lui fouille, puis le mec il réagit au 4ème kick et en plus je le touche pas quoi. Classe. Tu me lâches un petit truc? Merci. Est-ce que j'ai des trucs de vie là sur moi? Putain, j'en ai pas, fait chier. Eh, hey, mais c'était là avant qu'on a fait un massacre. Ah! Il y a encore 2-3 personnes. Ils sont partis où les autres? Eh, hey, vas-y, il est passé par-dessus là! Eh, hey, enculé!
Tu n'as pas ramené tes potes, on a besoin de mûne. Mais mec, il c'est quoi là? Couché là. Vas-y, je m'occupe d'un. Faut qu'il y ait l'autre qui se ramène. Je vais t'aider. Allez. T'as des trucs à bouffer, ça serait cool là. Ah ouais, j'ai des trucs à bouffer. Tu es direct, la grosse picouse. Mais j'en ai plus. Mais si, il faut t'en équiper, c'est tout en fait. Vas-y, équipe-toi, je te couvre. Regarde dans ton inventaire. Tes coups de pied qui ne servent à rien. Putain, mais c'est quoi qui meurt lui? Putain! Coup de hache dans la face. Bon. C'est bon, pas. Ça va mieux. Putain, la tête elle est tombée, je te jure. Bon, heureusement. Elle a volé la tête, mon gars. Bon, il y a un ouvre cette porte, on essaie de tirer là. Non, mais il y en a combien sur le chemin? Il n'y en avait pas autant avant. Hein. Mais tant mieux, je veux dire, moi j'ai 20 000. Hey, il y a la pute du coin. Ah, la sœur. Hey, mais c'est impossible à faire leur truc là. Tu vas me le laisser, oui ou bien? Vas-y, double classe. Double classe, main in the face. Elles ont rien lâché, c'est des rats, mon gars. Tu les pourris, quoi. J'ai besoin de toi pour passer ma carte magnétique, ce serait sympa. T'as besoin d'aide? Ah, ouais, ça y est, elle m'a foutu je sais pas quoi. Je tombe par terre. T'as des trucs à bouffer encore? Oui, je prendrai mes petites gélules, t'en fais pas. Tu bouffes tes mantas, s'il te plaît, hein, c'est important. Petit coup de pied qui sert à rien. Laisse-moi l'achever. Toujours plus beau. Vas-y, prends vas-y, lâche un peu, s'il te plaît. Il en a deux à la fois. Bon, on peut aller ouvrir la porte là, parce que je crois qu'on en a pour une heure comme ça, puis il lâche rien en plus. Tous des acolytes leur bouteille, tu sais. Putain, on est bien dans un campus, mon gars. Oh, bah si, c'est l'after, là. On fait l'after, les mecs. C'est l'after, quand même, je dirais. Hein. L'after de merde, ouais. Bon, ça va être sympa, le détecteur. Je crois que ça en a réveillé certains. Cours. Moi, je vais pas m'attarder, c'est de crever. Cours. Pousse-toi. T'arrêtes jamais. J'ai besoin de toi. Vas-y. Cours. On va courir le plus vite possible à la voiture, viens. Tournez vite à droite. Attention, à droite. Vous y êtes presque. Continuez. Vas-y. Hop. Excusez-moi, j'ai. Je suis à la voiture là. Trouver comment sortir d'ici. Ah, enfin, il décide de prendre une voiture. Gars. Ah, faut que je fouille. Merde, pas de clé. Je cherche les clés. C'est sûr. Je cherche. Si c'est pas moi qui. Vas-y, regarde la boîte à gants, ça serait sympa. Bon, en dessus alors. Non. Moi je peux rien faire. Là, ouais, je les ai. Vas-y, démarre ta voiture, démarre. Ordinateur du bord. Vas-y, c'est peut-être le moment de brûler là. Et là, c'était le moment de reculer. Y'a rien derrière. Même s'il y a quelque chose derrière, on s'en fout. Y'avait rien, je croyais. Tu peux gazer là? Oui. Alors gazon. J'ai pas mis ma ceinture, attendez. Mais que fait la police? Ça va, il est obligé de rouler comme un malade. Mais 2 mètres avant, je crois. Il peut pas rouler. Calme, il est obligé de rouler comme un malade. Il faut traverser la ville. Sans se faire tuer. Oh, ça va être fort. Oh mon dieu, alors là, ça panique. Ouh là là. Oh là là, eh vas-y. Il y a des trucs de seul véhicule. Alors lui, franchement, il mérite son permis. Gars, je sais pas où il a eu son permis, mais je crois qu'il a jamais eu à l'avoir. Là, il a niqué la seule bagnole du coin. Je pense qu'il a dû niquer la dernière voiture qui devait rouler encore. Il a fait ça comment? Bon, vas-y, dans le trou, allez. Léon, Elena, vous allez bien? On tient le coup. On est bien, là, il y a du feu qui nous protège. Regardez. J'ai trouvé les flammes, mais je ne brûle pas. Moi, je peux avancer dans les flammes, mais je ne brûle pas. Pourquoi j'ai besoin de toi pour descendre les égouts, quoi? Écoute, toi première, après moi. Yeah, au pire, c'est quelque chose, hein. Toi, tu prends. Moi, tranquille. Ok. Ennemi étourdi, si l'ennemi étourdi après, une attaque à la tête ou serein, mesure de rue. Projeté, sympathique. Allez, je te jette. Moi, je vois rien sur mon écran, c'est tellement foncé. Allez, t'es sale gueule. Ouh, bras dans les bras,
collés, corps à corps. Bisous, bisous. Pas de bisous. Bisous. Je vais bien. C'est normal. Je me suis le Oh. Ils ont chapage. Chapitre 1, ça dégage. Hein. Ouais, c'est sûr. Si ça commande un peu plus. C'est un peu plus direct que dans le 5. C'est t'as peur des égouts? Rigolo. Les gars, mauvais souvenir. J'ai l'intention de tout leur dire. Tout ce qu'on sait sur l'incident de Raccoon City. Mais, monsieur, beaucoup de personnes veulent me dissuader de révéler la vérité. Bah oui, logique. Je sais où ils veulent en venir. Ça pourrait créer plus de problèmes que ça n'en résoudrait. En 2013, c'est plus Obama. J'ai bien appris cette les gars, ce sera un autre, mais... Je sais pas qui c'est. Les armes biologiques menacent le monde. Et c'est en partie notre faute. Ça me rappelle une conversation, l'arme biologique. Arme biologique. Un verbier, hein. Enfin bon, quelle arme biologique? Vous avez raison, vous avez raison. Gars, ouais. Moi je le veux comme prof, il a raison. Et tu veux dire, tu veux le débiter de la merde. Vous avez raison. A toujours compté pour moi. D'accord. Vas-y, fais-moi croire. Fais-moi croire ça. Vas-y, grand dictateur. Grand discours pour pas dire grand-chose. J'ai des flashbacks. On peut continuer à avancer? Ça ne sera pas de ton repos. Sans blague, je crois que tu dois être un des seuls survivants de toute la planète où il n'y a que des zombies. Mais c'est pas grave. T'imagines, c'est un jour, tu prends l'avion, ils changent de continent, ils vont en Europe. En Europe, on va y être, je crois, si je me rappelle bien. Et on est à quel chapitre là, juste pour info? Est-ce qu'il nous informe si on a déjà passé le chapitre? Non, mais il nous informe qu'il y a des caisses. Ah, ils nous disent pas qu'on passe les chapitres en fait? Je sais pas, moi je te rappelle que j'ai avancé un peu avec toi, mais à part ça, il n'y a rien dit quoi. Ou t'es loulera, t'es loulera. Je peux ouvrir brusquement. Il loulera. Crève le rat, ça peut donner des bonus peut-être. Je vais suivre vos. Vous êtes très loin là. Je peux pas rentrer dans le. Moi j'avance pas là-bas, il y a de l'électricité. À moins qu'on puisse éteindre. Aïe 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 aïe. D'accord, je comprends ce que Dell entendu à son travail. Il y a un mec qui passe là-bas. J'arrive. Attends-moi. Ah, pas beau. Si tu vois des rats crèvelés, hein, je te dis, ça peut faire un bonus. Non, ça fait pas de bonus, ça fait rien du tout. Hey, ils te lâchent rien, c'est enculé quoi. Ah ouais, comme deuxième arme, j'ai un couteau. Ouais, toi t'as un pompe, je crois. Regarde, ah ouais. Non. Ah, bah dans la démo, t'avais un pompe en tout cas. Ah, j'ai un libre. Oui, bah un pompe quoi. Ah, ça peut être intéressant. Pêcher. Ah non, je voulais le crever, mais... T'inquiète pas, il y en a d'autres. Il y en a tous les côtés. Putain, mon gars, alors moi je m'y attendais cette fois-là, le croix, j'ai réussi, hein. Putain, ah, je vais te la bouffer. Quoi, le train arrive? Hein? Je crois que je me suis fait ramasser. Non, c'est moi qui me suis fait ramasser. Mais vas-y, le train, il arrive. T'as pas pu, quoi. Carré. Ah ouais, t'as vu? Moi, j'avais rien à toucher, mec. Si. Carré plus croix, c'était écrit. Pas chez moi. Bah, c'était pas sur les voies. Tu regarderas la vidéo, c'était pas marqué chez moi. C'était vraiment pourri, quoi. Le train arrive. Cool la life. Ça fait une frague, ce truc. Il y en a beaucoup là-bas. Chargé. Et il a une hache à moitié plantée dans la tête. Non, on est censé faire quoi? Ah, pas mal. Le coup dans la hache. Ah ouais, là j'ai pu l'éviter cette fois, mais pas avant. Oui, il fallait faire deux... T'as une demi-seconde pour le faire, hein. C'est sympa, c'est vraiment stressant, truc de fou, quand même. Ils ont pas été tous shootés, là? Non. Bah, ce serait sympathique, hein, quand même. Moi, je cours, hein. J'ai pas envie d'attendre le prochain, écoute, on a 200 mètres à faire. En plus, sa gueule, putain, vas-y, moi, je m'arrête pas. Ciao. Y'a plus personne derrière, je te rassure. Ils sont disparus. Oh non, 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 non! C'est un peu... Bon, tu le butes un peu ce clébard, mais il faut que je le tire. C'est quoi ces pétards mouillés? Non, mais sérieux! Y en a beaucoup là. Hein. C'est pas comme s'ils arrivaient tous vers moi.
Mais c'est tout comme. Mon gars. Ils sont tout aussi beaux que dans Resident Evil 5, j'ai envie de dire. Ouais, ils s'ouvrent pas la gueule cette fois, c'est bien. Pour l'instant, on est au chapitre 1 encore, en principe. Checkpoint. Et là. Eh, bouffe-le pas là, mon gars. Je l'ai mort, le mec. Train, 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 prépare-toi. Sur le côté. Ouh. C'était hot. Et avec mon cul, j'ai le temps de le voir arriver. Pour moi, les mules de fusil à pompe. On se pique pas les mules, ça serait cool. Je peux pas. J'ai bah, déjà dit, chacun sa partie. Ah, des mules gratuites. Si on peut courir, ce serait plus sympathique. De toute façon, on aura le temps de voir. Il y a de nouvelle électricité, puis là, le zombie, il l'a traversé, puis il a pris feu. Il brûle, il brûle. Ouais, mais à mon avis, ah, il meurt pas, même en brûlant, tu vois. Il meurt là, cette fois. Il meurt pas, non. Mais putain, t'as balancé la hache, le mec. Oh, comme il s'emmerde pas, le type. Ah ouais, là, tu ramasses quand même la hache, en fait. Coup de la hache, mon gars, c'est beau, ça. C'est beau. Ah, je me suis fait secouer. Ah, en fait, il y a des câbles dans l'eau qui traînent, il faut pas aller là-bas, en fait. Tu vas là-bas, tu meurs. Ici. Ou ici. Juste à côté des câbles, hein. Lolo, attention. Sonne-toi, s'il te plaît, je vois que t'as bientôt plus de vie. J'ai plus de gélules, attends, qu'est-ce que j'ai? J'ai des mules, j'ai une... Moi j'ai pas de plantes, j'ai pas de plantes, j'ai rien d'autre. Génial. C'est bien le moment. J'ai plus de lumière, j'ai plus de lumière. Pas de lumière. Il essaie de me violer. Tu la lâches. Les gars, non, c'est à moi. La mienne. Je tape à côté ça. Et la vie continue comme votre truc. Tu l'as eu aussi toi? Non. C'est bah j'ai empêché le viol, c'est ça. Et la vie continue même après un massacre. Vous êtes fait violer, faut pas s'inquiéter, la vie continue. Vraiment des petites chelous. Quoi. Qu'est-ce qu'on a fait? L'ouverture, c'est gentiment. Mais... Ah oui, et j'ai envoyé SMS. Ah non, mais les SMS, puis avance un peu. Allez, on est au niveau sur les rails, putain. Chouette notre vie. Il y a des zombies, hein. Il y a aussi un train, je dirais. Mais ça, on s'en bat les couilles, mais il y a des zombies. C'est beaucoup de zombies. Recule un peu, s'il te plaît, prends un peu de recul. On va au record. Salope! On balance des greux au pire. Quoi, j'en ai tué? Attention, un métro. Quoi, un métro? Il est où? C'était pour toi ou c'était pour moi? Je sais pas, mais j'ai même pas vu. En fait, il est venu à revers cette fois. C'était pour moi. Y'a que toi qui est en train de mourir. Hein. Mais du coup, excuse-moi. Gars, j'ai pas traîne pas sur les rails. Traîne pas sur les rails. C'est un conseil. Bon alors après, au lieu d'envoyer un SMS, tu viens avec moi, je te montre, il y a beaucoup de gens. Et après, il y aura une double voie, hein, si jamais, là, il y a déjà la double voie. Ah mais il vient sur quelle voie, ce serait sympa de savoir ça aussi. Hein. Tu t'en fous, tu restes collé sur le bord. Tu restes collé sur ce putain de bord. Viens de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Je me suis fait shooter à droite, putain, je me rappelle la vidéo encore. T'as pas des greux? Moi j'en ai, hein. À chier. Et mec, j'ai de nouveau pas pu l'éviter! Dernier qui est apparu sur mon écran de nouveau! Mais mec, c'est la mort, c'est putain! Ça va être chaud, hein! On va pas avancer, moi je vous dis! Waouh, l'ouverture de la porte, hein. Attention! Bon allez, cette fois, on y arrive! Je prends directement les grenades, on va pas se faire chier, hein, écoute! Je vais prendre mon petit pistolet parce que ça... Viens sur la voie de gauche, il n'y aura pas besoin d'éviter comme ça. Non, tu vas quand même l'éviter, je pense. Non, non, voie de gauche, fais-moi confiance. Oh, il a volé, mon gars.
T'as vu, pas besoin d'éviter la gauche. Non, non, il faut quand même appuyer M plus S. C'est dégueulasse. Récupère le maximum de choses que tu peux au chemin. Puis fais gaffe au train de nouveau, parce que je sens qu'il y en aura 5 ou 6 en chemin. En fait, ils disent plus, c'est à toi d'appuyer M plus S. Plus S quoi? M plus carré. Non, qu'est-ce que je dis? Ah, mais t'aurais pu me dire que t'étais dans la merde, écoute. C'est bon, je me débrouiller, tu sais. Non, mais tu dois aller croix plus carré. M plus S, t'en es où toi, mon gars? Non, non, là je pars dans un. M plus S, c'est un autre truc, mais. Je pourrais t'expliquer, mais. Ça prendrait trop de temps, c'est ça? C'est quelque chose de mécanique. Hein? C'est en mécanique, tu prendras ça. Non, mais j'apprendrai pas ça, je suis vendeur, je te rappelle mes détails. Ouais, mais. Le jour où t'aurais décidé de savoir un peu plus sur ta voiture, tu viendras me parler. Le fameux métro qui. Il s'est arrêté, il nous attend! Gars, il part dans l'autre sens! C'est mauvais. Ah bah non, il s'est éteint. Eh merde. Allez, tout le monde descend, puis t'auras 2 tonnes de zombies, laisse-moi deviner. Il y avait un zombie par terre, au cas où. Oh, détail. J'ai ouvert la porte, je vais m'aider. M'aider! Hey, ah. Je l'ai écrasé le zombie, tu fais chier, t'es rentré où encore? Je veux jeter un œil là-dedans. Ah, il est là, t'as vu? Mais me laisse pas là. Me laisse pas là, s'il te plaît! Laisse-moi pas tout seul! C'est bon, hein? Ouais, je te fais monter, mais tu me laisses pas là, hein? Il l'a dit! Il a dit, tu me laisses pas là! Moi, tu viens? Mais quel shit, c'est ce type! Ouais, de l'herbe! Allez! C'est bon, hein? Agression! Et tu me laisses pas là, t'as dit! T'as dit que tu me laissais pas là! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Allez! Putain. Viens ouvrir la porte, s'il te plaît! Sérieusement! Elle est derrière toi, la porte! J'entends que tu tires, mais tu pourrais ouvrir la porte, sérieux! Oh, la tête qui tombe, c'est dégueulasse! Ouais, attends, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte. Me laisse pas là, il a dit! Laisse-moi pas là! Je t'ouvre gentiment la porte. J'ai été attaqué dès mon arrivée. Cool. Fais attention. Eh, elle est pas encore changée celle-là. Ça pue la merde. Ça fait violer. On est obligé d'aller là-bas. On est obligé, franchement. On est obligé d'aller où il y a les cris. C'est une question, hein. Moi je dis à droite là. Le premier là, le tout premier. C'est bon. Il bouge pas, il bouge pas. Puis au pire, tu te fais sauter dessus comme un coup de télé, et puis voilà. J'ai besoin de toi pour ouvrir la porte, putain. C'est bon, on y va. C'est toujours moi qui ouvre la porte, c'est sympa ça l'idée quand même. Il y a comme si j'étais incapable d'ouvrir une porte, quoi. Allez, coup de balle direct, on sait jamais. Il y a toute la musique, t'es pas. Tu couches, toi, tu te couches, t'es dit. Oh, elle m'a pris un truc dans les yeux, je vois plus rien. Mec, il y en a tous les côtés là, derrière toi. Il y a ceux de derrière là qui nous ont rejoints. Ils se sont dit c'est la fête à la saucisse. Mais mec, j'arrête pas de m'en couper, c'est quoi ce bordel? Il y a encore des merdes par terre. Elle est là. Ah, quand même, j'ai été utile. Attends, je le vois bouger. Toi, j'étais à l'œil. J'étais à l'œil, ça va, pas trop mal aux yeux. Toi, moi, je m'occupe de ce qui est par terre. C'est bon. Il est mort. Sympa la hache. Pff. Pff. Laisse-moi rire, mon gars. C'est comme ça que tu te bats? Moi, je te montre comment on se bat. T'es qui explose. Laisse-le moi. Écoute, il y a un deuxième métro. Tu vois? Cette fois, c'est moi qui monte. Alors, hop, hop, hop. Ah. Un toxico. Et un clodo. Excusez-moi. Pardon. Allez, on saute par-dessus. Ouais, écoute, moi, je cours. Hein. Je prends un passage. Plus c'est 4, c'était cool. Merci. J'sais pas encore du C4. Je suis sûr que tu savais pas qu'on pouvait faire ça, rien. Si, je sais, mec. J'ai le style. T'as fait quoi? T'as touché quelle touche? Ouvre pas. Je sais pas. Hey, vous devez ouvrir cette porte.
Non. Yamele. Non, je veux pas ouvrir cette porte. Yamele. Elle a l'air d'en vivre. C'est bon, va par là-bas. N'ouvrez pas. Oh mon dieu, Peter. Ok. Lâche-la, je te dis. Elle est pas faite pour toi, tu la lâches. Prends du recul, prends du recul. J'ai plus de balles. Première fois que ça m'arrive. Oh, en fait, il jette des notes. Il pue tellement de la gueule, tu sais. Il pue tellement, mec, laisse tomber. En fait, il souffle une haleine sulfurique dans la gueule. Tu meurs. Au secours, j'ai plus de balles. Je prends du recul, j'ai plus de balles. J'ai plus d'énergie au passage. J'ai encore un truc. Merci. De rien, écoute, c'est toujours un plaisir. Mais j'ai plus d'énergie, tu vois, alors pour l'instant je peux rien faire. Toi non plus, t'as plus d'énergie, mec, t'es rien comme moi. T'as pas vu comme je me bats? C'est bon, j'ai une nouvelle énergie. J'ai plus de petite gélule. Fais chier. Je sers à rien. Prends ton couteau. Ou ton hydra là, t'as pas un hydra sur toi? Oui, j'ai un hydra. Mais alors? Merci. J'ai tombé le cul, mon gars. Eh, dis qu'on vit pas ici, hein, s'il te plaît. Ok, y'a aucune personne qui a donné des munes. Si, moi j'en ai eu. Non, pas. Moi j'ai eu que des XP. Ah, vas-y, je monte avec mon couteau en main là. Wesh, wesh, attitude. Wesh, wesh. Eh, t'as vu mon couteau? Wesh, mec. T'as de la vie, j'espère, parce que t'as l'air dans la merde, toi. Oh! Oh! Oh, je sais pas si t'as vu ce que je viens de faire, mais mec. Ah, c'est tellement... Ah, c'est tellement jouissif. Non, je n'ai pas vu. Alors, c'est comment, là? Comme elle s'est fait bouffer, c'était immonde. C'est vraiment pas terrible. On pourrait même dire que c'est un enfer. Youpi, on est obligé d'y aller? Bah oui. Bah oui, ce serait très drôle, sinon. Elena. Attends, je regarde, je consulte. Ah, j'ai de quoi faire une petite gélule. Équipe-toi, équipe-toi. Équipe-toi avec le gros paquet. Voilà. C'est bon, l'agression, quoi. Elena, Elena. Il y a comme si t'avais besoin de moi pour une porte, quoi, espèce d'abruti. Brutos, va. Allez, monsieur peut pas ouvrir la porte. T'as trop peur? T'as peur, je te laisse ici, c'est ça? Laisse-moi pas ici. Tu m'avais promis. D'accord, ok, c'est bon. Je crois qu'on est déjà à une heure d'enregistrement. J'espère qu'on arrive quand même à la fin du premier chapitre, à force, hein. Oui, si ça sauvegarde, je pense que ça arrive le chapitre. Non, non. En principe, un chapitre, dans Resident Evil 5, t'avais une petite fin, tu vois, et tout. Où t'es vraiment... Mec, je me fais agresser par un pompier, quoi. Normal. Putain, lui, il va bouffer sa hache, mon gars. Elena, la voiture. Ah, tu t'es pillé en pleine gueule. J'étais trop prêt. Sonne-toi, t'as plein de vie, tu te les envoies tous d'un coup, t'es Mentos, tu martèles la touche, écoute. Allez, Mentos. Vas-y, cours, 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 on s'en fout. On s'en fout de tous ces gens-là. Putain, mon gars, j'en ai pris 10 d'un coup. Mais oui, viens, viens, viens. J'avais pas remarqué, je crois que j'ai trop en abusé. Dépêche, 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 on s'en fout, les gars. Courage, je vais vous aider. Non, non, regarde, moi, j'ai... Faut que tu viennes m'aider. Par ici. Mais il est mort, le mec. Non, mais comme ça, nous, on peut passer, on s'en fout. Vas-y, on spray le Elsen Jets qui passe. Et ben, il est le seul Bob qui roule encore en mode... Il avait un bleu, j'ai pas regardé. Tu t'en fous, mec, il faut juste traverser. Viens, suis-moi. Un petit raccourci. Eh, hey, il a lâché quelque chose. On s'en fout. Je peux recharger. On s'en fout. Il y a trop de monde, mec. J'ai pas une gaspiller mes balles. Mec, t'as pas intérêt de tomber. C'est la mort si tu tombes, je te précise. Ah ouais, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Y'a que toi qui fait chaper le pied. Eh, hey, toi, ce sera pareil, à mon avis. Hein. Non. Gars, non, mais je suis svelte. Non, oh. Oh, regarde-moi cet achievement. Je suis explosé la gueule sur la mort. Mais mange. Ok, il faut descendre, Pas le temps de réfléchir, écoute. Hop, hop, hop. Elena. Allez. Charmant. Cours, 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 cours. Y'a trop de people. Traverse. Hop. Si seulement on pouvait se les faire. Les mecs, c'est du gaspillage de temps et en plus on n'y arrivera à rien. Puis on va devoir crever. Ouais, passe ton chemin, Dis-leur bonjour. Il m'a foutu une claque. Ouais, mais écoute. Bon, là on est obligé de se le faire, y'a pas moyen. Vas-y, passe, monte au premier. Je monte au premier, dégage. Viens, me laisse pas ici.
Mais mec, je suis un porc censé confier un chemin. J'arrive. Hey, il est mieux le mien que le tien, hein, quand même, le gars. J'avoue. Cette alarme va tous les faire rappliquer. Oh. Youpi. On attend quoi pour descendre? C'est qui nous tire depuis où, j'ai envie de dire? Je m'en fous, j'ai mis mune. On peut sauter? Non, on peut. Ah non, faut monter plus haut, viens. Et après, on peut passer par là, par le petit truc. On peut fuir. Mon gars, fallait le savoir, ça va. Yeah. Il vient de se casser avec la seule bagnole, le mec là. Il y a celle-là encore. Vas-y, c'est pour ma gueule. Non, c'est moi, faut que tu viennes me sauver. Chacun son tour, hein. Mais mec, comme je me suis peigné la caisse. Mais un mec normal serait déjà mort. Attends. Viens vers moi, je nous soigne avec un spray, dépêche. Attends, je récupère ce qu'il a. Je croyais qu'il y en avait pas d'autres. Oui, mais moi j'en avais un, écoute. Hop, on doit aller où? Là-bas, suis-moi. En fait, j'étais pas obligé de me payer la caisse, c'est ça que t'essaies de me dire? Un peu, ouais. Mais c'est plus rigolo comme ça. Pourquoi on rentre dans le bar, là? Tu m'excuses? Ils ont envie de boire un coup? Je te paye un verre, c'est pour moi. Je paye la tournée. Plus de sécurité à l'intérieur. Ah bon? On se fait un billard? Allez, on peut? Devoir faire vite. Pff, ça bouge même pas. Tiens, regarde-moi cet alcoolique, t'as encore les bouteilles du frigo, t'es. Mais vas-y, quoi. Y a quoi sur le... Alors, on a... Quoi, je prendrais volontiers un petit whisky, là, je crois du whisky. Petit verre, quoi. Je sais pas, je vois pas trop. On dirait une bouteille de Suze, là, viens voir. Il y a de la Na, d'accord. Na O2. Ça se résiste entre leurs bouteilles, mon gars. J'ai cru qu'on était à l'abri à l'intérieur, pourquoi on ressort? Je sais pas, comme ça. T'arrives à ouvrir tout seul, c'est bon? Ouais, c'est bon, j'arrive à ouvrir tout seul. C'est moi, il y a une arme là. Non, il n'y a pas d'arme. C'est quoi, on peut passer? Vas-y, pousse-toi, je veux l'arme, pousse-toi. Attends. Regarde-moi ce mec, il est endormi devant la télé. Mais une dernière transmission a été envoyée par le bâtiment. Mais mec, il y a une émission. Dehors, ça brûle. Il y en a qui dort là aussi. Les autorités font preuve de la plus grande. Putain, mais mec, ça c'est. Je suis à 1 mètre. Hey, elle a un truc dans la main. Oui, il faut trouver la clé. Mais elle l'a sur elle. Mais prends. T'as juste à prendre la clé. J'ai pas réussi. Putain, t'es vraiment trop limité. Je lui fais les poches. C'est elle qui va faire. Elle est grosse la clé, mec, elle fait la taille de la main. C'est elle qui va faire. Ah non. Elle est pas encore transformée. Celui qui est derrière moi, si. Si tu veux venir m'aider, ce serait sympa, tâche. Il a pas l'air content. Bon, hein. J'ai la clé, merci. Touché. Ah merde, je me suis raté. Ah, t'as pu ouvrir la porte déjà, t'es à distance comme ça, je t'ai balancé la tête. Allez. Tu ouvres, que je puisse prendre l'arme, ça serait sérieux là. J'ai un fusil à pompe. On a un fusil à pompe. Ah, mais toi t'en avais déjà un, enculé. Moi j'en ai deux. C'est la salade, je pense. J'ai besoin de faire ouvrir la porte. Quelle porte, excuse-moi. Laisse tomber le zombie, ouvre la porte. Non, mais excuse-moi. Petite bisouille là. Tiens, bon, on peut faire ça ailleurs s'il vous plaît. Il est assez chelou celui-ci. D'accord, il a appelé les autres ou c'est moi? Non. Si. Tu me tues ce machin? Eh, hey, il court! D'accord, j'ai cassé la vitre, j'ai passé par la vitre, c'était plus cool. Vas-y, celui-là. Ce cri, c'est comme des ondes sur un tableau. Faut le suivre en fait. Faut le suivre. Vas-y, ouvre. Sérieux, merci. Vas-y, laisse-nous passer. Vas-y, viens. Merde, il faut le tuer. C'est fermé. Tu crois que Léon pourrait t'aider à monter? Il a l'air un peu. Viens, je t'aide à monter, dépêche. Il est pas un peu asthmatique, le type. Mais faut pas de la gueule, hein, mais. Tu peux te dépêcher à descendre? Allez. Oh, tu vas devoir pousser, tu décolles. Pas trop vite. Pas dépêche. Trop vite. Sérieux, je vais pas aller plus vite. Hein. J'ai
Je vais pas survivre une heure ici, hein. Je te précise tout de suite. Je fais ce que je peux, ok. Maintenant, c'est ouvert. Oh, le groupe abo, il m'attaque. Ta gueule. Tu peux venir m'aider? Je peux pas te démerder tout seul. Mais je sais pas que le groupe abo allait venir m'attaquer, quoi. C'est bon, je suis passé, venu en se casse, Les gars, pas frappé. Il faut tuer le gros balèze ou pas? On s'en bat les couilles. Parce que j'ai compris comment tuer, perso. Allez, il est tout pour mon live. Toi, tu vas où, toi? Allez, reviens ici, viens te battre. Oh, écrasé contre une barreau. Mais mec, j'en ai marre, ce machin. Mais mec, tire-lui dans le machin quand il gueule, là. Joli coup. C'est bon, je l'ai eu. On l'a tué, je sais pas si t'as remarqué. Je m'en bats les steaks. Ouais. C'est bon, viens, on se casse. Bon, j'ai des munis et tout, c'est ce qu'il me fait là. Mais merde! La tête qui s'arrache, qui défend. Il y a un truc qui fait. On n'a pas eu besoin, écoute. Ça sert à rien, ce truc en fait. Voilà quoi. J'ai des trucs pour me soigner. Non, c'est une option ça. T'as pas besoin de te soigner. T'as besoin de toi d'ouvrir la porte. La tomate, ouais. Bon, la cathédrale. Il y a encore des gens honnêtes. Ils ont des balles. On va les aider. Allez, tire rapide. Vas-y, c'est corps à corps, sérieux. Merci, faut me soigner. Ah, mon premier jour, bah t'as pas de balle, écoute. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce truc au premier jour? Il se passe quoi? Le babo il rigole. Laisse-moi aller vite, laisse-moi. Merci. Maintenant on va s'occuper des mecs. Il crée la tête contre le mur, ça me plaît. Il a encore envie de survivre? Au secours! Cours, sérieux. Si tu me protèges, j'aurais de quoi me soigner. Visez la tête. Vous êtes flic, non? Non. C'est mon premier jour. Mec, je me suis de nouveau payé. On s'est payé le véhicule. Et c'est de nouveau moi qui suis mort au premier, mec. J'en ai marre. Mais oui. Je voulais ramasser l'herbe, j'avais le véhicule. Oh merde. Les gars, oups. On avait rien pour éviter, je précise. Hein. Ouais, on recommence, allez. Hé, tire dans la station essence qu'on rigole. J'ai essayé avant, ça n'a rien fait. Oh, chier. Les survivants, allez, il faut les aider. C'est bien le tir rapide. Allez, double frappe. Mec, je suis devant mort. Éliminer tous les ennemis, j'aime pas la mission qu'on nous file des fois. Vas-y, moi je me fais pas avoir deux fois, hein, je me casse. Vas-y, casse-toi, il va être douloureux dans la merde. Il arrive. En fait, faut pas rester là, c'est ça. Mais mec, je suis en train de me battre, c'est marqué éliminer tous les ennemis, faut pas rester là. Allô, quoi. Faut pas rester devant le hangar. Faut se casser. Et on recommence. Purée, mon dieu. Moi, je suis le policier cette fois. Hein. Je tiens à préciser, ça a l'air d'être un bon. Moi, je passe à travers, rien à foutre. Il faut les aider. Faut partir. T'es quand même moche, machin. Tu récupères tout ce que tu peux et tu te casses. On se casse. Sérieux? Mickaël? Oui, c'est bon.
Putain, mais laisse-moi charger, je vais exploser cette corde vocale. Ça la fait pas du bien. Là. Bon, elle arrive en blanc, que je puisse aller récupérer mon staff. Il a encore envie en fait. Mais attendez pas. Elle arrive en blanc. Il semblait qu'elle voulait m'attaquer au même moment. Ah, oh, bordel. C'est bon là. On peut aller récupérer Steph maintenant sans mourir. Mais c'est des zombies qui m'ont flingué là. Oui, je suis passé, c'est des zombies. Ah putain, ouais, ça fait mal leur fusil à pompe, mon gars. Recule. Recule. Ouais, recule, je tire sur l'essence, tu dégages. Fuis parce que j'ai pas envie d'être dedans non plus. Ça va, hein? Venez, c'est moins risqué par là. Qu'est-ce que t'en sais? C'est ton premier jour, tu viens de dire. Mais attends, j'ai vu de l'herbe là-bas. J'ai vu de l'herbe. T'es sérieux? Oui, il y a de l'herbe ici. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, je peux pas l'avoir. Non, il y a de l'herbe, je peux pas l'avoir. T'es où? Non, je veux pas l'avoir. Elle est où l'herbe? Elle est où l'herbe? Allez, chier, bande de con. Elle est où l'herbe? Là, là, j'ai dans le coin, là, par où on est sorti. T'es sérieux? Ça, c'est nul. Ça, ah, c'est mauvais. On se casse. Je me paye des barres en métal, on peut se casser, s'il te plaît? Oui, moi, il me faut des petites gélules. Eh, hey, des Mentos, on ira au casque, t'inquiète pas. Le casque, il est pas ouvert. Ok, eux, ils passent par-dessus et nous, on doit ouvrir. Toi, tu devrais soigner, t'as la vie sacrément rouge. Sans blague. Moi, je sais pas quelle couleur je suis, mais je dois pas être joli non plus. Mais ça va pas être joyeux. Mais c'est pas joyeux. J'espère que les gens vous arrivez à suivre, que ça vous fait pas trop chier non plus, parce que nous on est franchement dans notre truc, alors on fait pas gaffe. Hein. Mais au pire, je rappelle que l'épisode peut être suivi en plusieurs parties, pas obligé de tout mater en une fois, hein, faut pas viser. Oh, il en arrive. Allez, mon vieux, ouvrez! Laissez-nous entrer! Laisse-moi passer, s'il te plaît. Recule, on sait jamais, peut-être qu'il va sortir un flingue et tirer à travers la porte. Ouais, c'est un peu enculé quoi. Des dératiseurs, allez. Les gars, vous éliminez tout le monde, je vous ouvre. C'est cool. Tu veux pas juste nous ouvrir pour qu'on puisse rentrer, puis après c'est fini. Allez, c'est le magasin ouvert. Mon gars, on est dans une armurerie, on peut prendre aucune arme quoi. On est vraiment dans une armurerie. Mais oui. Abusé! Eh, hey, qu'il y a des. Ah, il y a des mules! Oui, il y a 2-3 mules, il y a 2-3 petites mules. Mais mec, ils ont des pénitraillettes et tout, et puis nous, on se tape quoi? Un gun de mer! Quitte à aller au corps à corps quoi! Ça changera rien, au point où on est. C'est bon, eux au moins ils se sont bien armés. Eux, hein? Voyons par où c'est rigolo. C'est bien, tu es fier toi. Merci, on ressort. En fait, tu fais comme dans Black Ops en mode zombie. Tu restes à la fenêtre et t'empêches le monde de ça. Putain, il y a une connasse qui me bug. Regarde-moi speeder quoi. Coucher derrière le machin, tu sais. Ouais, pas trop dur ta vie toi. Ouais. Ouais, c'est compliqué, je comprends. Tiens, on est obligé d'arriver pour achever les machins, tu sais. Ils sont pas capables, eux, les abîmes, c'est tout. Allez, on va faire comme lui. Coucou! T'as eu mal. Je me suis fait briser la nuque. Je peux même pas venir te sauver, en fait. Non. Il t'a sucé la gueule où il cache, le mec. Oh, je me fais violer, mais en méchant, hein! Puis il insiste, Elena! Oui, il repart. Elena! Gimli, franchement, moi je vais aller mettre derrière le tableau, j'attends. Tu fais comme lui.
couché derrière. Non, mais sérieux. Bonjour. Boum, boum, boum. Non, mais sérieux, il y a que ça à faire, écoute. Si c'est pour être aux fenêtres, s'abîmer, puis après crever comme une merde parce que. Non, mais les mecs, ils arrivent par derrière. Non, sauf si t'es derrière le tablard, écoute. Moi, je reste derrière le tablard, je prends mes mines et je vais derrière le tablard. Si tu veux pas faire pareil, bah tant pis pour toi. Moi, je suis derrière le tablard. Et au pire, c'est où qu'on se soigne. Et il y a un spray là. Vers moi, t'as un spray pour te soigner au pire. Ici, sur la table, en principe. Magique, il débrouille très bien tout seul. Je vais bien aider pour récupérer les mules et tout ça, mais c'est tout. J'ai du 6-4. Tu vas pas le poser. Bah si, écoute. Allez, vas-y, hein. J'ai plus mon petit couteau. Non, mais il y a une fenêtre ici, en fait. Et c'est lui, toi. T'as dû mourir avant. Ah, puis toi aussi. Fais gaffe à tes fesses. On est des dératiseurs, parce que j'ai compris, moi je suis un dératiseur qui reste à l'abri. On peut monter? Toujours pas. Bah tant pis. Mais mec, c'est vraiment un lâche ce type. Hein. Mais oui. Il tire. Ah, il tire parce qu'il y en a un qui est rentré. T'as lâché des trucs de ton côté là? Oh, il y avait de l'herbe. Il y avait de l'herbe. Je l'ai pris, je crois. Ah, je crois qu'il y a un problème celle-là. Mais mec, t'as dit d'aller se crever! Mais mec, qu'est-ce qui est juste devant? Moi, je pouvais même pas l'aider quoi. Attends. Il y en a un qui est rentré. Jouez pas les héros! Elle nous ralentit trop! Il y a le foot, il a deux. C'est votre copine? Non, c'est pas ma copine. Non. Je te protège derrière parce qu'ils le font pas. D'accord. Je pensais que c'était l'autre con. Mais... Non, mais ils te protègent pas, j'ai compris ça vite fait. Ah, mais c'est chacun pour soi. Hein. Je fais toutes les fenêtres. On est à quelle manche? Yeah. C'est con que les chiens ils arrivent. Ou il y en a qui a un instincteur. Allez, tire-le dedans et puis ça fait boum. Chier. La prochaine fois, tu le dis avant. Ouh, dans la jambe, il est tombé par terre. C'est pas beau comme la tête, elle s'arrache. C'est bon, on peut monter? C'est moche. On peut monter là? Sérieux? Non, deuxième manche. Merde, mon flingue déconne. Il y en a pas assez derrière toi? Elle se ramasse une dans la tête à un moment. Ouais. Il n'y en a pas assez derrière toi des armes. Moi je me tire ici. Il a tout compris, moi je me casserai à son prochain. Mais casse-toi alors. Mais casse-toi, qu'est-ce qu'on en a à prendre? Ils font quoi? Ils vont essayer de monter en haut? Pourquoi mais... ils ont des flingues maintenant? Non mais c'est sérieux, ils ont des flingues. Il va se faire choper. Il va se faire choper. Oh oh. Recule, prends du recul, va derrière le tablard, je te conseille. Ça rentre. Ah bah ça non. Ça va, j'arrive, écoute. Si ça rentre, tu vas rien. Ça rentre, ah bah non. De l'autre côté, bien sûr, ça rentre. Merci. De rien. Ah mais il veut essayer de rentrer le babou là. Oui. Au secours. Il est en train de rentrer par la fenêtre je crois. Protège toutes les fenêtres, protège toutes les fenêtres. Il est où le babou? J'ai un trophée, ouais. C'était quoi? J'ai obtenu un trophée, j'ai pas tombé. Il y en a un par terre. Mais veuillez juste pas les croiser donc. Non, non, écoute. Flemme. J'arrive, hein.
Attends, je charge, allez, hop. On va légèrement te faire déborder. Pour l'instant, la boutique est sûre. Vous nous laissez entrer ? D'accord. Il est où ? Amenez vos missions. Il est où ? Avant que je change d'avis. Ah, c'est que maintenant qu'il est décidé de faire. Et on pouvait pas le faire avant. Allez. Moi j'étais devant lui, c'est la cage. C'est bon, tout le monde en y va. Allez, le C4, les mules. Oh, une plante. Non ! Non ! J'ai pas pu prendre ma plante. Au travail. La bonne nouvelle, c'est qu'on va venir me chercher en bus d'ici quelques minutes. Si on arrive à monter à bord, on ira à la cathédrale de Tolo. On évacue les gens là-bas. Mais tant mieux. Mais il faut y arriver. Un vrai merdier de haut. Encore, c'est dégueulasse. On n'attend pas les retardataires. C'est quoi la dernière fois que t'as nettoyé ton appart? À jamais. Quoi les japonais? Quoi les japonais? Il y en a qui a un cocktail molotov par la fenêtre, mais... Vous pouvez vous débrouiller tellement bien, moi je vais rester devant la porte, on sait jamais. Il fait quoi là, il fait quoi l'autre là? Vous pouvez vous débrouiller bien, tellement bien sans moi. Ça y est, il m'a lancé un truc de dégueulasse dessus. Laissez rentrer, vous pouvez écouter, me prendre l'ambiance. Un peu d'XP. Hey, c'est pas sorry mousse aujourd'hui. Ça y est, je vous fais gerber dessus. Prends tes pilules si t'en as. Franchement, ça c'est rien. Parce que moi j'ai un spray, mais j'aimerais l'utiliser en dernier tour. Oh non, tu déconnes. T'es mort. J'ai été en train de faire mes petites gélules. Tu m'excuses, hein. Tu pouvais pas prendre du recul. Mais mec, je voyais pas, désolé, tu peux pas bouger en même temps que tu fais des petites gélules. Non, tu ne peux pas. Bon, fais tes gélules maintenant. Bonne nouvelle. Là bas j'ai de l'herbe rouge. Elle est là. Si on arrive à monter à bord, on ira à la cathédrale de Tolox. On évacue les gens. Fais vite tes gélules mec. Toi je suis en train de faire quoi? C'est bon, tu les as équipés là? T'en as combien? Un 7? Ok, moi j'ai 0. Chier. Tu restes pas devant la fenêtre. Je sais pas si t'as compris à force. Laisse-les se débrouiller mec. De toute façon je vois rien là. Parce qu'on va passer le même temps. En face de la fenêtre, c'est bien. Moi je prends les fenêtres qui sont pas protégées. C'est bien, ça éclaire, mais seulement quand tu tires. Lui il fait quoi lui? Oh, électrice à mes couilles. Quoi au tour? On a gerbé dessus. Ça devient la gueule, moi je me casse. Il y a du people qui rentre depuis le plafond. Tu t'es prêché l'électro là? Alex, tu bouges ton cul. Ah et puis c'est pas les petits hein, c'est des... Moi j'ai entendu. Ouais, non, non, ouais. Il y en a un en face de moi, mais bon, détail. Quoi, aller dans l'autre pièce, mec? Bon, bah écoute, moi j'ai dans l'autre pièce, pas de problème. Écoute, on va refermer les autres dedans. On a pas oublié quelqu'un par hasard. T'étais pas obligé de taper la porte, hein. Si, il manque la meuf. Elle est où la meuf? Ah merde, elle est là. Moi. Il y a un chien, le problème. Merde, j'ai pas pu prendre les mules. Ouh, le coup, je porte pas beau. Le premier boss. Vas-y, au corps à corps. Tape dans le gras, tape dans le gras, tape dans le gras. Prends ton pompe. Je
il aime pas trop le truc. Va tout faire s'écrouler sur nous. Il aime pas trop ça. Mec, c'est bien chaud là. On peut se casser? Ah, mais tu m'as fait rater mon coup. Ouais, mais j'en ai rien à foutre que tu m'as fait jeter trop fameux de la gueule. Ah, toi aussi. Oh, des grenades. Y'a pas de la santé ici au passage? Oh, de l'herbe rouge et de l'herbe verte. Amen. Écoute, on va remonter, on a pas chaud là, parce que je comprends vite fait, bien fait. Là. Et c'est quand que on arrive à la fin là? On peut me le dire là, parce que ce serait sympa. Ah, attends, j'ai des trucs à récupérer. Écoute, Michael, t'essaies de me couvrir, faut vraiment que je revienne. J'ai juste un truc à faire. Là. Tu couvres au cas où, hein? Je reviens dans deux secondes, les gens. Ouais, j'ai cassé une vitre. On arrive au bout du chapitre là? Ouais, je suis sorti, je vais pas t'attendre, hein, tu m'excuses. Bah écoute, c'est même au bout du chapitre, c'est très sympathique qu'on puisse faire une petite pause là, je commence à avoir des crampes. Et juste que je retrouve ma manette au passage. Tous les stops. Oh là là, il faut l'aider. Aidez-le. Sa manette, moi je fais quoi? Tenez bon. Je vous remonte. Pensez plutôt. Y'a quelqu'un qui le remonte là? Il est où? Ah non, on doit courir. Je crois que je me suis occupé du gros balai. Depuis que je le frappe là. Il y a juste un pompier pas content. Il y a juste un gros balai aussi. Hein. Il est tellement grave, ce gars, ça serait cool. J'ai fini de te ramasser, je suis... C'est bon, son bus, elle va mourir d'ici. Fin du chapitre 1, c'est ça? Le bus est là, les gars. On doit descendre dans la rue. T'as des pilules, j'espère pas, tu vas te les bouffer tous d'un coup là, on a pas le temps de réfléchir. Putain, le gros balèze là qui arrive, qui me fracasse. Heureusement que je les ai prises, quoi, quand même. Il veut vraiment aller la porte, il est trop beau. Là, t'es descendu en bas. Descends en bas. On t'attend, ouais. Michael, je pourrais pas venir te sauver. Hein. Saute, 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 saute. Tout le monde t'attend en bas. Allez, dépêche. C'est bon, il y a... Vidéo là. Fin du chapitre 1, c'est ça? Ouh. Non. Faites-nous sortir. On a le gros saute-toi. Ça me rappelle Centro, ça. Qui arrive dans le train là. Oh, lui il est mort. Vas-y, dans la gueule. Pousse-toi, pousse-toi. Ah, il meurt ou quoi? Au secours. Et ils sont tous dedans là, en tant que tel. Hein. Peut-être qu'il y a personne qui couvre les fenêtres. Tu viens m'aider? J'ai pas envie de gros là. Je suis mort. Je m'occupe du gros, je te dis. On peut rouler là? Allez, vas-y. Ça va être dur de pouvoir passer par-dessus. Là. J'espère qu'on a des bons pneus. Hein. Méchant. D'une lump là. Yeah. Petit joueur le mec, hein. Mon dieu. Alors les gens. Premier chapitre en une heure, ouais bon, ok. Ça promet? Hein, franchement je dis... Et je l'ai niqué plus que toi. Putain, j'ai une médaille seulement d'argent moi. Ah non, en fait, j'ai plus de précision que toi, mais j'en ai fait moins. Ok, alors attends, On... Et t'as vu le mail? Attends deux secondes, moi je dis que franchement là,
On a bien souffert. Hein. Question. Tu as un ennemi quoi. Ouais, on est à 1h30 pour le premier chapitre, franchement. Ça va être long, hein. Ça promet d'être un putain de let's play, comme je vous disais. Je sais pas combien de chapitres par personne, mais je me rappelle dans Resident Evil 5, t'avais pas mal de chapitres. 6. Ouais. 6, et puis ils ont dit qu'ils duraient 3 fois plus longtemps. 18 chapitres, 18 fois 1h30. J'espère que les gens vous allez apprécier. En tout cas, moi j'ai qu'une chose à dire, que c'était Naron 11-12 avec Dark Mecha. Et comme d'habitude, je laisse le mot à la fin, à l'invité, le mot de la fin. Alors, moi je vous dis, si ça vous a plu, abonnez-vous. On va continuer le let's play. On est chaud là cette fois. C'est bon là, on est dans le rythme. Ça va aller. Alors, c'était Naron 11-12 et je laisse le mot de la fin à Dark. Ben, vivement le chapitre 2, quoi. On va voir ce que ça donne. Allez, plus les gens. Salut.